Waterloo, 1815. Les troupes de Napoléon affrontent les alliés dirigés par Wellington. Historiquement, la bataille a mal fini pour l'empereur. Alors sur ce plateau, on refait le match, avec le souci de la précision militaire. Chaque figurine sur la table, il y en a un millier aujourd'hui, représente 30 hommes. Tous les régiments sont constitués, les unités sont déployées à l'identique de l'époque. On connaît l'histoire, on l'adore, on essaie de faire moins pire. Deux jours pour reconstituer l'affrontement. Donc 5 et 4, 9, une fois, un mort. Avec des règles intangibles, comme les caractéristiques des bataillons ou la puissance de feu. Tu tires où ? Bah, je tire en face. Reste une part de hasard, comme ce lancer de dés qui déterminera l'obéissance des troupes. Si vous ratez votre dé de discipline, en fait, donc l'unité ne répond pas aux ordres des officiers. On lui a demandé d'avancer, mais finalement, elle décide de ne pas avancer. C'est beaucoup plus intéressant de jouer avec des personnes autour d'une table que de jouer derrière un écran, en fait. Puis après, c'est la reconstitution du terrain. Il y a un côté modélisme, hein, c'est le même plaisir que les gens qui font des maquettes. Parmi les joueurs, Fabien. J'ai une troupe de hussards, et pour qu'ils restent commandés et qu'ils reçoivent tous les ordres de la chaîne de commandement, moi, je déplace mes officiers. Ce Trélissacois est tombé dans l'univers il y a quelques mois à peine, mais face aux Anglais, pas facile de s'improviser chef de guerre. Cuisant de défaite pour l'instant. C'est beaucoup de défaites, mais j'apprends beaucoup de choses. Ce fait que forcément, au fur et à mesure, j'apprendrai à gagner. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Sur ce week-end, se sera joué le sort du secteur de Braine-l'Alleud. D'autres joueurs ailleurs en France se battront pour d'autres villages. Multiples jeux pour un seul enjeu. Plusieurs batailles mises bout à bout vont, à l'issue de cette année, nous donner le résultat, voir si on a, pour une fois, gagné Waterloo. De quoi bouleverser le sort de l'Empire et sans doute le cours de l'histoire.